On a des orateurs de qualité pour vous. L'entretien. Welcome, everybody. Peace and love, all the Québec. Hey, allô, tout le monde! Sans plus tarder, on va contrôler les discours à 5 minutes. Alors, vous voyez quelqu'un qui se fait enlever le micro, ça, c'est pas très content. Et à tout seigneur, tout honneur, on a un grand Québécois ici, un auteur, réalisateur, libre penseur, que j'ai le plaisir d'accueillir pour une des premières fois dans une manif, M. Sylvain Laforêt. Québec appartient aux Québécois. C'est vraiment important de se le rappeler, le Québec appartient aux Québécois. Non seulement le gouvernement qu'on a en ce moment, on dit pour qui il travaille, mais en plus, nos employés essaient d'instaurer une dictature sanitaire. C'est nos employés. Je me suis vraiment posé la question parce que j'aurais envie de vous parler, parce qu'en date, on va en parler. Parce que, en même temps, il y a tellement de sujets. Donc, je suis complètement écœuré. Il y a le fil de ma café qu'on met d'en face, là. Je suis capable d'en parler. Le port sanitaire, y en a-tu ici, Gaïta? Ça n'a aucun sens, évidemment. Il y a personne qui a envie de se faire tester par un pas testé, mais de se faire questionner son domino efficace. Quand ils vont au restaurant, évidemment, c'est nos affaires, c'est pas d'affaires à savoir ça. Puis on sait tous qu'en plus, ce port-là est un prérequis pour autre chose après. Et l'identité numérique, et ça, il ne faut jamais entrer là-dedans. Une autre affaire que je suis capable d'entendre parler, c'est les injections de thérapie génique expérimentale. Ils appellent ça des fois les vaccins, c'est pas ça pour tous. Moi, quand tout ça va finir, puis que le coronavirus va démonter son facto, on va partir. J'aimerais beaucoup qu'on impose à Justin de payer sa poche sur les 9 dons qu'il a commandé pour les 3 prochaines années. Que tous ces gens-là le payent de leur poche. Je pourrais vous parler longtemps de mon indignation des gouvernements, mais ça ne tente pas, ils veulent rien dire. C'est des marionnettes. C'est pas eux autres qui sont importants. C'est leur patron, vous le savez. C'est un plan mondialiste et tous ces gens-là travaillent pour les mondialistes. Donc, Bill Legault, ça n'a aucune importance. C'est des noms interchangeables. Si on l'a vu à l'Assemblée nationale, peu importe qui est là, c'est la même affaire. Les 4 partis travaillent pour le même parti. S'il y a quelque chose qu'on devra toujours se rappeler, c'est ce que les médias ont fait. Les médias, c'est absolument terrible. Il faut qu'on arrête d'écouter ces gens-là. Je pense que tout le monde ici le sait déjà, mais c'est important de le dire à tous les gens qui connaissaient. Parce que quand les médias vont arrêter de nous raconter leur salade et on va arrêter de croire, c'est là que ça va se terminer, ces choses-là. Il n'y aura plus de pandémie. Il n'y aura même plus de terroristes. C'est ça qui est le pire. Vous allez vous en rendre compte parce que tout passe par les médias. En plus, les journalistes, on l'a vu, des gars comme Lagacé ou Martineau, tant mieux, Martineau est mal pris en ce moment. Eux adorent, ils voudraient qu'on soit tous ici, les gens plongés dans la ségrégation. Ça n'a aucun bon sens. Ils veulent nous mettre dans une classe à part. Ça veut dire qu'eux autres qui font leur gorge chaude de la démocratie et tout, depuis qu'ils sont tout jeunes, on se rend compte qu'à la première affaire, qu'est-ce qu'ils se rendent compte? C'est qu'on est très ségrégationnistes, ceux qui ne font pas la même chose. Ceux qui désobéissent. Ça, il faut que ça arrête ici. Parmi les affaires que j'ai écœurées, c'est une liste, les plexiglas, les glorios, les classes bulles, les familles bulles, les écoubillons, Patrick Lagacé, le comptant de Scott Powell, les asymptomatiques, les quarantaines, les caquerelles. Ça fait 2 ans qu'on le casse les oreilles, ces affaires-là, c'est tellement hâte qu'on arrête. Est-ce que j'ai envie de vous parler un peu de ces années? Et l'avenir, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? En fait, les affaires qu'il faut qu'on fasse, il y a plein de choses qu'il faut absolument qu'ils changent, des choses dans le système. Je ne sais pas comment on va y arriver encore. Si on prend les partis politiques, je ne sais pas. Est-ce que les Québécois sont prêts au changement? Je ne sais pas encore. Mais les choses qu'il faut qu'on fasse assez rapidement, sortir l'idéologie mondialiste des écoles et d'enseignement.
On est en train de brainwasher toute une génération en ce moment, avec des masques, avec des pieds, puis avec oh, les vaccins pour eux autres, c'est tellement une belle affaire. Ils n'ont plus de chance, il n'y a pas de problème. Je suis peut-être un gars, je suis peut-être une fille, ça dépend du jour. Il faut qu'on remette au centre des valeurs des enfants, la famille, le couple. C'est ça qui fait avancer. Il faut qu'on arrête de paniquer dès qu'on entend le mot pandémie, réchauffement climatique ou terrorisme. C'est toutes des histoires qui créent pour vous faire peur, vous garder dans la terreur. Il faut qu'on arrête d'associer des profits à la santé des gens. Il faut que la pharmaceutique soit maintenant canalisée pour que ça finisse ce cycle-là, que ça n'arrive plus. Il faut faire le système de justice de A à Z. Tout ça serait terminé si on pouvait mettre en prison un juge qui n'obéit pas aux lois. Il faut changer le système électoral, démolir tous les partis politiques existants, refaire ça au complet. Il faut retirer toute possibilité légale d'outrepasser les chartes des droits et libertés. Que ce soit par loi ou par décret, à quoi servent nos droits si on peut les empiéter dès qu'un tyran se pointe le bout du nez? Pour que le gouvernement redevienne notre employé, respecte la liberté des gens. Mes amis, nous n'avons qu'une vie à vivre. Notre vie, elle nous appartient à nous. On doit pouvoir la vivre comme on veut. Merci Sylvain Laforêt. Ça fait plusieurs manifs que je fais. Ça fait quelques occasions que je suis au micro et puis j'ai jamais demandé à personne de donner une ovation à qui que ce soit, mais je pense que le moment est venu de faire exception à la règle. Mesdames, messieurs, François, à main les gars! Écoutez, merci. J'ai juste 5 minutes et j'ai la voix un peu enrouée parce que j'ai crié durant toute la manifestation. Je ne vais pas être long, je vais juste vous dire une chose parce que j'ai 5 minutes, je ne vais pas entrer dans des grosses théories. Je vais vous proposer cette petite histoire. J'en ai déjà parlé dans une manifestation plus petite, mais ici nous sommes un peu plus nombreux et je vous dis la chose suivante. Imaginez-vous que vous avez une sœur qui est très belle, un top modèle. Imaginez que c'est votre fille. Imaginez que c'est votre amie. Et ce qui lui arrive, c'est que comme elle est très belle, il y a un garçon qui la dérange. Il l'appelle, il lui envoie des textos, il lui envoie des emails, il la cible à tout coin de rue, il la dérange. Elle n'a pas la paix. Et comme elle cherche la paix, est-ce que vous allez lui donner le conseil que pour que ce garçon te laisse libre, invite-le et couche-le avec lui une nuit, comme ça il va te libérer. C'est le conseil que vous allez lui donner? Est-ce que c'est le conseil que vous allez lui donner? Est-ce que tu vas dire à ta soeur qu'elle couche avec lui une nuit? Comme je l'ai dit la dernière fois, si elle accepte une fois, il risque de prendre vous. Le problème qui se passe, c'est que ça fait 19 mois qu'un gouvernement est en train de nous harceler, en train de nous intimider, en train de nous mépriser. Est-ce que vous pensez que c'est en prenant deux doses d'injection qu'il va vous laisser? Est-ce que vous pensez que c'est en acceptant deux doses d'injection que ça va s'arrêter? Alors dites-moi, qu'est-ce que vous allez dire à votre soeur, à votre ami ou à votre fille? Vous allez lui dire quoi? Elle a une seule chose à faire, c'est dire non et de lui dire de s'éloigner, n'est-ce pas? Donc, il reste une seule chose à faire à un Québécois qui se respecte. C'est qu'il ne doit jamais céder. Il ne doit jamais fléchir. Il ne doit jamais se courber. Il ne doit jamais céder à ce gouvernement tyrannique. Donc, ce qui est sûr, c'est que même si la nuit est extrêmement sombre et même s'il y a l'orage, la lumière va finir par poindre. J'ai fini mon speech. La seule chose que nous allons faire, c'est
c'est que entre autres, c'est pour ça qu'on vient dans les manifestations. Nous allons lancer un cri de guerre fort à François Legault. Québec, debout pour la liberté. Québec, debout pour la liberté. Merci François Bellegas, quel homme courageux. On a son pendant féminin ici, qui est plus souvent qu'à son tour est dépeint comme une grave criminelle. Cette semaine, elle fait partie d'une secte. Bref, il faut s'en tenir loin, mais moi je persiste et signe à rester proche. La septionique Amélie Paul! C'est la première fois que je fais un discours dans un événement et que j'ai rien préparé d'avance. Et pour moi, c'est un gros, gros défi, mais je me suis dit, c'est le moment de relever. C'est exactement ce que je vais faire. Alors, je vais vous chanter une chanson en soirée. Il y a quelqu'un qui m'a donné ce cadeau-là. Un flambeau. Il m'a dit peut-être que ça va t'inspirer. Merci Michel, effectivement, ça m'inspire. Il y en a un aussi pour Myriam Kaiser, porteuse de flambeau. J'ai été super gâtée aujourd'hui. J'ai reçu plein de cadeaux de plein de monde. Et la leçon que ça m'a donnée, il faut arrêter d'avoir peur. C'est une peur d'aimer. Tout le monde a peur de perdre. On va perdre notre job, on va perdre notre confort, on va perdre notre famille même. Je crois que ce qu'on va perdre, oui, parce qu'on va perdre, il fallait qu'on le perde pour aller plus loin. Il faut arrêter d'avoir peur parce que je réalise tout le temps que oui, moi, on m'a fait tout perdre. J'ai perdu ma réputation. Tout ce que je pouvais faire pour gagner ma vie, on va l'enlever. La vie donne toujours d'une autre façon. Vous l'avez acclamé comme un héros. Les médias, ils l'ont totalement démoli. Ils l'ont mis en prison. C'est un héros. Je ne connais pas François, mais je suis sûre qu'il manque de rien. Quand on reste intègre à qui on est et à notre cœur, là, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Bien, on va l'avoir à mesure ce qu'on a besoin. Il faut arrêter d'avoir peur. Moi, je suis la fille la plus insécure au monde. Là. Vous n'avez pas idée comment j'ai souffert dans les derniers mois. Parce que je me rappelle toutes les émotions que j'ai vécues, mais je vous le dis, aujourd'hui, ça m'a juste rendu plus forte. Fait qu'il faut pas avoir peur. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Puis, demandez-vous qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimeriez faire. Si vous êtes ici, là, c'est pas pour rien. Si vous êtes incarné à cette époque décisive de l'histoire de l'humanité, mais en plus, vous êtes ici là, aujourd'hui. C'est pas pour rien. Vous avez un rôle à jouer. C'est quoi votre mission? Est-ce que votre travail vous empêche de l'accomplir? Peut-être, il y a des questions à se poser. Puis, n'oubliez pas, vous êtes puissant. Avez-vous votre pouvoir? Il y a des gens courageux, ce n'est que ça qui va diffuser au micro. À ma connaissance, c'est à peu près le seul qui faisait partie d'un parti politique qui s'est levé. C'était un employé de la CAQ, un homme très intéressant, un homme excessivement articulé, dont je fais connaissance ces temps-ci. Accueillons M. Stéphane Hamel. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane Hamel, j'étais membre de la CAQ, président de la CAQ pour la vente des rapides. Je pense qu'ici, il y a sûrement beaucoup de gens qui ont voté pour la CAQ aux dernières élections. Je ne sais pas si vous êtes toujours content de votre choix. Bon,
Moi, j'ai fait parvenir mon désaccord à l'exécutif de la CAQ sur le passeport vaccinal. Et ce qu'ils ont trouvé à dire, c'est de me jeter dehors, simplement, parce que à la CAQ, on n'a pas le droit d'être en désaccord avec quoi que ce soit. Alors, c'est le gouvernement qu'on... Je voulais aussi vous parler de la Suède, de ce qui se passe en Suède. C'est exactement le contraire de ce qu'on a fait ici. Là-bas, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des recommandations du gouvernement. Il n'y a eu aucune obligation du port du masque, aucune obligation vaccinale. Tout est en recommandation. Alors moi, ce que je me dis, c'est que notre gouvernement, il y a un profond problème. Et le problème, c'est que depuis très, très longtemps. Et on est rendu aujourd'hui au moment où il faut changer tout ça. Dans les années 60, on a fait ce qu'on appelait la Révolution tranquille. Ce que c'était, il y a la porte, l'écurie, l'église, qui venait à peu près tout ce qui se passait au Québec. Aujourd'hui, il faut faire la même chose. Il faut mettre à la porte les bénéficiaires et les gens. Alors, aujourd'hui, moi, le juge choisit, c'est si vous êtes quelqu'un qui a des grandes connaissances de gouvernement, qui a des connaissances, qui connaît quelqu'un, donnez vos joints, contactez-nous. Alors, moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est qu'on essaie de se ramasser ce qu'on appelle une task force. Des gens les plus habiles de notre société. Des gens qui ont d'expérience gouvernementale, politique, dans les écoles. Tous les gens qui pensent qu'ils peuvent faire une différence, de s'asseoir à l'entour d'une table. Et le but de tout ça, ça va être de faire des états généraux pour dire assez du gouvernement actuel. On a assez du système actuel. Il faut tout changer, absolument tout. Parce que le problème est à la base, c'est un problème structurel. Alors moi, je vous invite à me contacter, je suis sur Twitter. Si vous avez des noms, on va se faire des réunions avec les gens, puis on va essayer de se monter une grande équipe pour faire le changement au Québec. Alors, il n'est pas vrai qu'on va laisser l'élection, la prochaine élection au mois d'octobre, se faire comme si de rien n'était. Il faut tout changer. Alors, je vous invite, en tant que citoyen, de nous contacter, de vous faire valoir. Si vous connaissez quelqu'un qui a des aspirations de vouloir changer le Québec, venez-vous-en, amenez tous, on va trouver une façon de changer tout ce qui se passe au Québec en politique. Merci. Merci Stéphane. On a des tout tombé dans le système de la santé. Ça a été long. Il y en a qui ont pris parole et qui sont toujours debout, fidèles à leur conviction. Madame Joanne Boyer. J'ai un amour profond pour la collectivité. Depuis quand? Moi, j'ai décidé de parler depuis quand? Parce qu'il y a des gens qui me disent, ben non, nos droits sont pas bafoués. Oui, voyons donc. C'est pas vrai. J'ai des exemples. Depuis quand l'employeur doit savoir si on est vacciné ou pas? Article de la des droits du travail. Depuis quand? Nos hommes se servent de notre code de déontologie contre nous, les employés du secteur de la santé. L'article 45 du code de déontologie du Québec. Depuis quand nos hommes connaissent nos conditions vaccinales? Depuis que le gouvernement a fait en sorte que la 19 soit une maladie à déclaration obligatoire. Depuis quand on doit. On a. Mais c'est pas ça. Donc, ça, c'est un article de protection. Ouais, ça fonctionne. Depuis quand on va encore
Marie-Thérèse Gouin. C'était marqué ici, nous sommes doublement vaccinés. Je m'en vais manger un cornet. J'ai plus besoin de savoir moi qui sont doublement vaccinés. Depuis que les années 80, quand le Covid est arrivé, on n'avait pas besoin de donner notre faire une déclaration de notre certificat médical. Pourquoi on doit le faire maintenant? Depuis quand on peut avoir notre certificat médical? Moi qui ai une grand-maman qui aimerait aller faire visiter des choses à mes petits enfants. Pourquoi je me fais montrer mon certificat médical? Depuis quand, pourquoi aller au restaurant, on doit montrer un certificat médical avec une carte d'identité? Moi, je me souviens, la seule carte d'identité qu'il avait donnée, c'est quand j'avais 16 ans puis je rentrais dans un bar illégalement. Excusez, mes papiers, là, c'est ça. Parce que faites
accuser de fraude, de faire draconner frauduleux, il demande de la médication hors les gros. Ce qui veut dire qu'il poussait les ventes de leurs médicaments, plus d'une dizaine à l'époque. Pfizer, ce sont des crapules! Écoutez, ils sont encore, Pfizer existe encore parce que, écoutez bien, c'est très important. Premièrement, en 2009, l'amende qu'ils avaient reçue était de 2,3 milliards de dollars, ce qui représentait trois mois de profit, c'est rien, parce que pendant des années, quand ils sont au courant d'effets secondaires, avant qu'il soit révélé, vous comprenez que des lobbies hyper importants, vous comprenez. Et vous continuez la lutte et continuez de dire aux autres qui ne croient pas, c'est pas grave. On continue. La vérité, c'est, en fait, je n'y crois pas, mais c'est la vérité. Je vais continuer de la dire. Et pourquoi est-ce que Pfizer est encore en business? Parce que they were too big to fail. Non, madame, too big to fail. Et ça, c'est inacceptable. Si un enfant meurt à cause de thérapie génique ou à cause de l'expérience, c'est ça, c'est trop gros pour être accepté. C'est trop gros. Voilà. Je ne savais pas ce que j'allais dire, je l'ai dit, j'ai confiance en vous. Ayez la foi, restez courageux. Je vous aime, je suis avec vous jusqu'à la fin. Et surtout, je sens que ça fait du bien de vous voir, vous êtes tellement beau à voir. L'une des choses qui me fait du bien quand on manifeste, là, c'est de rencontrer des gens normaux. Des gens normaux à Steinberg. En parlant de gens normaux, je pense à Pascal Zourou-Antonin, qui mène présentement un combat courageux pour préserver la santé de son fils et finalement le sel de tous les enfants. Pascal, il en est déjà plusieurs jours de grève de la faim. Il est plus que que la justice tienne compte de ses revendications. Aujourd'hui, on avait la bonne nouvelle. Florian Blais va l'aider à passer à travers les processus judiciaires pour qu'il soit entendu sacrement. Il faut qu'il soit entendu. Il est hors de question d'accepter qu'il y ait un seul enfant
mort ou ayant des séquelles à vie suite à cette injection expérimentale. Dès le premier décès d'enfant, nous allons exiger la prison à vie pour tous les membres de cette secte du masque. Ça fait un minute qu'on le fait massivement. On se fait des accolades, on s'embrasse, on se colle, on se touche, on se donne la main. Puis selon nos dirigeants masqués, adeptes de la science, de la carte, on devrait tous être morts. Ou bien intubé aux soins intensifs. Ben non, on est là en pleine forme. On meurt pas, c'est un peu. On meurt pas. Non, mais ça les fait faire chier, les grimpeurs. On est l'image de l'espoir, on avance avec la réalité à nos côtés. On va la gagner, cette maudite guerre. Hein? En vous regardant, là, un joint d'espoir, j'ai envie de vous dire, comme ceux qui vous connaissez, de l'Est, des yeux tout comme, sacrément. Le meilleur est à venir. Hey, le goût du bébé l'autre, c'est quoi son nom déjà? Il y a un nom qui ressemble au comte Dracula, mais c'est pas Dracula. C'est un nom qui ressemble à un nom des vieux chars, un char du temps de la jeunesse de Dan Pilon. Hey, c'est vieux ça. Hey. C'est un nom qui ressemble aussi à celui d'un poisson à l'autre dent, un poisson visqueux, comme les anguilles sous roche. Un nom qui ressemble à Barracuda. Ben l'an dernier, notre Barracuda, il nous a dit que la grippe avait disparu. Ben oui, notre compte, la science de la Terre plate, nous a fait un vrai tour de magie. Il a fait disparaître la grippe de l'humeur. Je sais que c'est pas correct de révéler les tours de magie, mais je vais vous dire comment ce qu'il a fait. Ben, il a changé le nom de la grippe. L'année passée, il a décidé que la grippe s'appelait COVID. Pas mieux. Eh bien, c'est comme ça qu'il a fait disparaître la grippe. Ben, cette année, le watch out, la grippe a rien. Puis je vous avertis, elle va frapper vite. La réinjection massive, ça commence déjà à faire effet. Avec un système immunitaire amoindri, les gens sont de plus en plus malades. Puis checkez bien les reportages qui s'en viennent au sujet des malades dans les hôpitaux. Puis la grippe, elle veut pas encore arriver, fait que attention de dessus. Là, ils nous prennent pour des cons. Et puis je pense qu'on est ici pour crier fort qu'on n'est pas des cons, hein? Ici, là, on est là pour dire à cette bande de criminels masqués à dette de la science de la Terre plate qu'on n'est pas des cons. On voit leur jeu, on voit leur crime, on voit la détresse, on voit le saccage de la société, on voit le saccage des soins de santé, on voit le saccage de l'économie, on voit la destruction de la santé physique et mentale de nos enfants, on voit les effets secondaires notables de leur infection mentale. D'accord? Dire qu'on n'est pas des cons. On n'est pas des cons. Merci. Salut. Merci, M. Chaboneau. Le prochain orateur, un gars excessivement brillant, sans indifférent. Ça tombe bien aujourd'hui, j'ai fait la paix éternelle avec lui. Adios, Joe, l'indigo, Jonathan Blanchet! On a décidé de s'allier ensemble, hein, la jeunesse avec la sagesse. Depuis ce temps-là, on travaille extrêmement fort à essayer de rencontrer les syndicats. Puis notre mission, ben, c'était de montrer qu'ils étaient hypocrites. Et malheureusement pour eux, ben, ils sont tombés dans le panneau. Donc je vous invite à suivre les péripéties à venir dans les prochaines semaines. Mais je pense que la CSN va avoir toute une surprise. Ils vont nous démontrer qu'ils sont malheureusement des hypocrites. Donc, comme vous le savez, je travaille extrêmement fort, j'essaie toutes sortes d'actions différentes. La prochaine action qu'on est en train de mettre en place avec des amis avocats que je consulte pour préparer les documents, on va essayer de fournir une requête pour créer des requérants, pour que chacun d'entre vous ait la capacité de déposer une requête en tant que requérant contre les règlements et les décrets sanitaires. Depuis le mois d'octobre, j'ai envoyé de la documentation, parce que c'est légal d'échanger la documentation, à plus de 1000 employés de divers secteurs par moi-même. Donc, on lâche pas, nombreux sont ceux qui se battent. Et on rappellera que le gouvernement a reculé pour les enseignants, mais je vous garantis qu'il va reculer pour les soignants. On lâche rien.
juste un message. Je vous invite à vous tenir droit, rester fort. Puis nous sommes le dernier rempart. À partir d'ici, ils vont reculer jusqu'à leur fin. Du groupe Éclair, tout le monde, merci. Je suis né. Guerrier. Maintenant, j'ai un prochain orateur, un homme d'affaires, un gars qui a décidé récemment que le silence c'était assez, un gars solide que j'ai découvert, qui commence à courir les manifs, qui est là pour des bonnes raisons, qui a beaucoup de choses à dire, vous allez le découvrir, Monsieur George Tiger! Salut tout le monde, ça va bien? Je suis pas reconnu pour faire des speeches très longs. Puis avant de commencer à blaster les trois trios sataniques qu'on a au gouvernement, j'aimerais prendre un moment pour remercier Dan pour la marche d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça prend des efforts colossales. Donc, une bonne main d'applaudissement à Dan et à tous ses collaborateurs, s'il vous plaît, merci. On va commencer par citer ce que. On va garder le goût pour la fin. Notre Dubé, là, les oreilles d'éléphant, là, je cite, il a fait une bonne job, il pense qu'il a fait une bonne job de convaincre le peuple québécois à se faire picouiller. Êtes-vous d'accord? Il a pas fait une bonne job, hein? C'est qui le paye, ce Dubé-là? Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui fait pas sa job? Exact. Ça, c'est un que j'ai plus besoin de continuer à parler. Je pense qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Un autre, normalement, devrait être un médecin. Barracuda. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un barracuda, mais c'est pas beau à voir. Il n'est pas plus beau non plus. Même s'il a rasé son pitch, il n'est pas plus beau à voir. Il a disparu, on ne sait pas il est où, mais il est en train de concocter quelque chose d'autre pour nous baiser encore plus. On sait ça, hein? J'espère que vous êtes assez réveillés pour savoir ça. Barracuda, qui est supposé être un médecin, un éduqué, un langage de mafieux. I could be a bad boy. Well, let me tell you something, bad boy. You're a boy. Si les gens savent qu'est-ce que ça veut dire, un boy, c'est un enfant. On est des adultes, Barracuda. Des collègues de là. Tes menaces, on les prend pas. Aujourd'hui, t'as l'immunité parce que t'es un ministre. Ça durera pas longtemps, je te le garantis. On va te rentrer dedans. Là, on va parler du gars que j'ai la face en assis que j'ai envie de vomir quand je le vois, c'est gars. Il est dur, c'est carrément! Sacrifice! J'ai entendu tantôt le gars qui faisait partie de la CAQ. Merci d'être présent en passant. Chance que t'es plus là. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est qu'ils vivaient déjà la dictature. Donc, la CAQ, leur mesure, leur fonctionnement, déjà les termes, c'est de la dictature. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire sur la population, ça? Il s'est arrangé, ce lèvre-là, à diviser les gens, et il a réussi à faire une chose. Ils n'ont aucune partie d'opposition à cette calice-là. Il n'y en a pas un! Il y a 125 députés! Moi, je ne sais plus si c'est député ou c'est CAQ, là. Mais je pense que vous savez chacun de vous, puis je pense que parmi vous, vous êtes pas mal des gens qui viennent d'un peu partout au Québec. C'est pas tout des gens de Montréal, si je ne me trompe pas. Donc, ça serait important que vous passiez devant le bureau de vos députés, puis vous mobilisez, puis de dire que c'est assez. Parce que je pense que le Québec en a assez. Oubliez pas que dans la lettre ouverte de la GRC, on a été mis dans la position de victime, et la job d'une victime, c'est de déplorer son agresseur. Et aujourd'hui, on est les victimes. C'est à nous de déplorer nos agresseurs. Dernier message, je le dis. Le Québec se lève. Le Québec est debout. Merci tout le monde pour votre présence. On va continuer avec les députés prévus. On a ici une dame qui est debout depuis le début. Elle est nerveuse, sa gênée, elle est très charismatique. Elle s'est beaucoup impliquée au niveau de la sécurité. Elle s'implique au niveau d'une démarche juridique. On lui laisse la chance de s'exprimer. Nadia Désiel. Donné dans ma vie, j'ai envie de partager, c'est que quand on vit une relation abusive avec
Ou never! On sait que c'est ça qu'on vit présentement avec M. Legault. Alors, j'ai une chose à vous demander. Vous allez signer la lettre de retrait de mandat pour les fois dehors! Parce qu'à un moment donné, c'est là qu'on va être rendu si on veut avoir une nouvelle place. Si on veut créer quelque chose de nouveau pour avoir les valeurs. Hein, quand on va aux toilettes pour avoir du nouveau, on va laisser aller le vieux pour faire rentrer le nœud. Je pense qu'on va être rendu là bien. En attendant, si vous voulez aller signer la date de référendum, on va s'en servir pour l'entrée éventuellement. Alors, merci tout le monde! Alors, on a ici un complice de Maxime Bernier du Parti populaire canadien qui va venir passer son message, Monsieur Pinto. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de soutenir le mouvement raisonnable. Je suis Pinto, candidat fédéral du circonscription d'Outremont. Comme tel, j'ai accompagné Nadia Manolé, avocate, le 26 octobre, on était avec elle devant le juge Michel Yarko dans la salle 1709 de la Cour supérieure de Montréal, de 9h30 jusqu'à 5h15. Ils nous ont limité à être 30 seulement avec elle. Cependant, ils savaient très bien que nous sommes beaucoup plus nombreux. Donc, ils ont dédié une chambre dans le deuxième étage où ce que ils offrent le service qui a été lancé par Internet pour suivre le procès. Donc, c'était intéressant d'être devant ce juge qu'à chaque seconde, les écrans, il y avait les gens qui rentraient sur le site et chacun qui rentrait, c'est tic, tic, tic. Imaginez-vous un juge qui est en procès, c'est tic, 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 tic. À un moment donné, ils ont rencontré un problème technique. Plus tard, j'ai appris que le procès de Montréal le 26 octobre n'était pas le seul. Au Québec, la ville de Québec, il y avait l'avocat Hans Mercier qui a plaidé le même temps, en parallèle. C'est révolutionnaire. C'est la première fois que le même cas se dispute dans des villes différentes devant deux juges différents. Bravo, bravo, oui, bravo. Ce qui est important de savoir, c'est que Natalia Manolé a fait un travail formidable. Le juge lui-même a dit travail excellent. Savez-vous comment elle a terminé sans plaidoir? Elle a dit, je demandais des épreuves du crown, from the, la couronne, des procureurs de la couronne. Elle a demandé ça par écrit. La couronne a offert zéro, rien. Donc, là, le juge doit délibérer entre les faits que le mouvement raisonnable a présenté contre nulle preuve de la part du gouvernement. Zéro.
Oui, c'est un encouragement pour moi, parce que nous on sait que les juges sont indépendants et ils ont leur patrimoine de la cour. Une fois qu'ils ont vu qu'il y a tellement de moniteurs sur leur comportement à Montréal et au Québec, ils ont dit problème technologique, problème technique. Donc on a déprivé le monde de suivre les États. Mais lui, il a dit qu'il va trancher le verdict le 15 novembre. Le 15 novembre, c'est la date d'échéance, oui, c'est la date d'échéance du gouvernement. Donc, pour le mot de raisonnement, pour dire pour les enseignants, les docteurs, les médecins, les infirmiers, tous, on a été présentés par Nadia, Natalia. Excellent. Merci. On m'a demandé de faire le message pour, si vous cherchez une place à aller, le 1 rue Notre-Dame, c'est là que les gens qui s'étiment sont. On a passé le message tantôt. Alors, je tiens à remercier chacun de vous, les vrais de vrais. On n'a pas eu la foule record voulue. Il faut croire que les Québécois ont peur des prévisions de la pluie. Mais l'objectif est atteint. On a vu en primeur la fameuse photo, l'écriteau « God help us » qui est parfaitement réussi. Alors, vous allez la voir circuler sur la page de Québec debout demain ou plus tard. Et puis, je remercie chacun de vous. On reste debout, on continue le combat. On reste tenace, on envoie la lumière à tous ceux qui nous ont méprisés, discrédités, maudits, mais tôt ou tard, l'événement généralisé va se produire et on sera là pour leur tendre la main. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. On prend un dernier message ici. Alors, maintenant, allez-y. Thank you.